indésirable avec le Nescafé. Vous avez besoin d'un gobelet ou un verre. Une petite tasse. Une cuillère pour oui. Remuer le mélange. Et de la Nescafé. Vous avez besoin de. C'est tout ce qu'il a besoin, ceci. Et. Ouais, la quantité d'eau. Un demi-verre d'eau. Demi-verre d'eau. Pas beaucoup, juste un peu. Vous voyez? Juste un peu. Tu ne penses pas que le c'est beaucoup? N'est-ce pas? Attends, je vais diminuer un peu. Pense que. Ah, c'est bon. Ça va? Ça va, non? C'est demi. C'est bon. Oh, comme vous voyez, il y a un Nescafé. C'est tout ce qu'il vous faut, les gars. Il faut plutôt mes copines, c'est tout ce qu'il vous faut. Juste un Nescafé. Ça vous sait que vous êtes habitué à prendre les pilules, le qui sont risquées. Qui sont risquées, qui ont des effets secondaires sur vous. Mm-hmm. Les prostinol, les. Parfois, certains d'entre vous prennent. Le sel. L'eau et le sel. Qui n'est pas souvent effectif. Oui, et aussi du whisky. J'ai entendu d'autres filles me parler qui boivent du whisky. Et à la fin, tu entends qu'elles sont enceintes et qu'elles accouchent bientôt. Bon, bref. Voilà ce que qui marche. Vous voyez, non? Ce n'est pas été scientifiquement prouvé, mais bon. Je vous assure que ça marche. D'accord? Vous allez essayer vous-même chez vous. Et vous allez témoigner en commentaire. Okay, après avoir mis le Nescafé dans l'eau, le vin ici. Vous remuez bien. Et après, vous le mettez dans un micro-ondes. Après, vous le chauffez juste un peu, légèrement. Le but, ce n'est pas de la faire bouillir. Le but, c'est de la chauffer légèrement. D'accord? Merci. Et peut-être même quelques secondes, disons 30 secondes. 30 secondes est oui. Assez. Mm-hmm. Ok. Bon. Très bien, ça n'a pas de secondes de faire. Et je vous assure, ça marche. Ça marche très bien. Donc, essayez ça à la maison. Et venez témoigner. Pendant que ça chauffe 30 secondes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Santé Peau Noire. Cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Merci. D'accord, ok, bon. Vu que, là, c'est comme prêt. Je vous l'ai dit, c'était juste pour la chauffer et non pour la bouillir. Mm-hmm. Comme vous voyez, c'est prêt et je vais la consommer tout à l'heure. Attends, hey, j'espère que ça ne chauffe pas beaucoup. Oui, ça ne chauffe pas beaucoup. Je vois que ça te brûle la bouche. Mm-hmm. Goûtez sans vous mentir, c'est pas très bon. C'est un peu ça, un goût amer. Mais il faut la consommer 2 à 3 fois. Donc déjà, matin et soir, même pendant 2 jours. Après, et le résultat serait parfait. Okay. Après avoir eu des rapports sexuels. Si vous étiez en mauvaise période et que vous avez eu peur que vous risquez, mm-hmm. au lieu d'aller acheter des médicaments, prenez tout juste un escalade, comme vous avez vu, comme on vient de faire. Et voilà. Et ça a un mauvais goût, je ne sais pas. Vous pouvez ajouter du sucre? Non, vous buvez ça simplement. Ok, sans sucre. Oui. Et le résultat est plus effectif que le sel, que le miel. Et ce n'est pas risqué, ça n'a pas de second effet. C'est bon. Donc vous ne risquez rien en consommant ça. Le Nescafé, vous connaissez ça. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Abonnez-vous. Merci. Bye bye. Thumbs up. Thumbs up.